Bonjour à tous. Bonjour. Bon alors petite vidéo bonus et explication plus poussée. Ouais, on va faire les grands rappels et puis on était censé aussi vous montrer la fin de transformation en squelette. Ils se sont tous mis à chantonner et à faire les fous là. Je m'entends même plus réfléchir tellement. C'est affolant. Donc en fait, visiblement ils ont corrigé ça parce que c'est tellement plus rapide que on n'a même pas eu le temps en fait. Disons qu'on a regardé la vidéo, j'ai fait le montage juste après, sauf que Nash avait laissé Minecraft tourner et du coup le zombie ça a été tellement vite en fait. Le zombie s'est transformé totalement. Ouais, je sais pas. Donc l'autre tu l'as placé où? Le zombie licorne? Vie. Ah, le zombie licorne, je l'ai placé où? Oui, parce qu'entre temps, hein, entre les vidéos, tout ça, on fait des travaux d'aménagement assez violents, puisqu'à chaque fois, ça nous... Non, pas là. Pas par là. Ah. Non, pas par là, viens par là. Puisqu'à chaque fois, nos créatures nous rajoutent d'autres bestioles, etc. Ce qui fait que je suis obligé d'agrandir les écuries encore. Encore, et encore. Et toujours, et au final, ce qui devait faire, une dizaine de boxes, se révèle et où ça là Zorki. Enfin pourquoi tu vas pas laisser un truc pour passer là parce que j'ai oublié, je sais pas. Voilà Zorki donc qui normalement était d'un autre nom mais on l'a renommé en fait. Donc, vous inquiétez pas s'il y a une différence, c'est bien le cheval licorne de base qu'on avait transformé, que j'ai renommé je crois parce qu'il y avait des problèmes de compatibilité des noms. Voilà, donc on peut faire également une superbe licorne squelette. C'est très bizarre comme chose. Et ils ont modifié un peu le skin mot créature pour la transformation. J'ai l'impression qu'il y a moins de phases parce que j'étais restée devant en fait. Et il y a beaucoup moins de phases. Avant, il y avait vraiment des vraies phases où on voyait des bouts de peau s'enlever. On commençait à voir les os arriver petit à petit. Ouais. Et là, beaucoup moins. C'était très très intéressant. Oui. Et on a testé sur Green, le Green en double qu'on avait. Oui. Alors en fait, ça c'est un cheval fée. Merci Avast, au fait. C'est un cheval fée. On voulait voir s'il gardait les ailes et la corne, mais finalement non, il garde juste la corne d'une licorne. Parce qu'il n'y a pas d'os dans les ailes de papillon. Voilà, alors que dans les ailes de Pégase, c'est des os qui tiennent les plumes et autres. Voilà. Donc pour le test, nous avons fait, ça ne sert à rien, ça ne donne pas plus ou pas moins. Voilà. Voilà, donc concernant les autruches, on fera ça après la vidéo. Juste sur... après, ouais. Pourquoi ouais, y en a qui... Ah, c'est Dame Avaltea là. Ok. Donc là, on va vous montrer comment apprivoiser un zèbre, vu qu'on ne vous l'avait pas montré. Ah bah attends, on finit sur la potion, puisqu'on avait oublié de la montrer. De quoi? Bah, transformer... Aussi, mais j'expliquais ce qu'on allait faire. Ah, pardon. Donc on va montrer comment avoir un zèbre, donc comment avoir un pégase noir également, même si on l'a expliqué. Alors tu l'as en corde ou... ouais mais il a pas l'air de vouloir. Ah, il a bugué. Super, pas grave. Ah non, c'est ma manette qui a bugué, j'avance tout seul. Donc normalement, si je me souviens bien, c'est une essence de darkness que vous lui donnez. Oui. Alors, est-ce que ça va marcher ou est-ce qu'ils l'ont corrigé? On va voir ça tout de suite. Mais normalement ça marche. Oh, attends. Quoi? Ben si, c'est bon. Oh, ça fait un mix bizarre. Donc voilà, donc vous n'êtes pas obligé de le faire sur la plateforme de 160 cubes de hauteur que vous avez créé pour l'occasion. Tu peux me filer l'essence de darkness parce que moi je vois aucune modification en fait. J'ai vu sur ton écran que ça avait bougé. Hein, mais moi il est là visible. Non mais je sais pas, mais moi elle a décidé de planter, c'est pas grave. Donc voilà. Ouais, pourquoi il se retransforme encore? D'accord. Voilà, je l'ai double transformé. C'est pas grave, le truc qui pète son cœur.
Donc également une info qu'on avait oublié de dire pour les bébés, si vous leur donnez beaucoup de morceaux de sucre d'affilée, il grandira plus vite. Je sais pas si on a un bébé là tout de suite maintenant, Ah non, mais... je t'ai pas prévu ça, mais je peux t'en sortir un peut-être. Attends, laisse pas devant moi. Ah oh bah, un zèbre. Ah bah ce sera parfait pour tout à Parfait pour l'heure. tout à l'heure. Je voulais quand même un bébé. Ouais, mais le bébé il sera pas à nous. Faudra lui donner une pomme avant. Bah, tu lui donneras une pomme, attends. Évidemment, un Deux autre zèbres. zèbre. Oui, j'ai un peu augmenté nos chances. Oh là, ça devient insupportable les dadas là. Alors, Il n'a pas de bébé la là. Sugarlum. Et oui, pour information, nous sommes encore un peu malades. J'ai un bébé zèbre si tu veux là. Ouais, mais ça va être la même chose, je pourrais pas l'attraper. Ah flûte. Bah attends, je vais grimper sur Mizuki. Attends, Mizuki. je vais montrer ça après. Bah écoute, tant qu'à faire. Hop là, on fait double en un. Voilà, t'as une pomme? Oui, j'ai une pomme. Ah, pour peu que les autres me laissent passer. Hop là. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis monté sur un cheval du niveau 4. Mizuki, Donc, là. soit Mizuki, soit le Dalmatien. De toute façon, il n'en existe que Impostate! deux de niveau 4. Voilà, je donne une pomme à ce petit zèbre. Donc je vais pas donner. Mais merde, je vais pas donner de nom. C'est pas grave, c'est pas grave. Zèbre, voilà. Et je vais donner... On va voir si ça marche aussi. Et il grandit! Ouah, c'est magique! Voilà, donc vous avez cette technique-là pour les chevaux normaux et pour les chevaux spéciaux que vous pouvez enfermer dans des amulettes. Quand vous les mettez dans l'amulette, il grandit directement quand vous le ressortez en fait. Oui, c'est Donc c'est magique. plus pratique. Et donc vous voyez, là les zèbres ne fuient plus parce qu'il est sur un cheval de niveau 4. Par contre, moi si je m'approche, même si je suis en game mode, Hop là, tu peux toujours essayer. ils vont me fuir. Alors que moi, il me pousse même. Non, mais s'il te plaît, arrête de me pousser. Non, 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 mais. C'est parce que j'approche. Arrête d'approcher, je me retrouve dans le mur. Au secours! Ah, Voilà pour ça. Ah, moi aussi, je voulais vous montrer Au quelque chose de très drôle. secours! Je suis bloquée. Je voulais vous montrer quelque chose de très drôle avec l'apprivoisement des petits osios. Elle adore faire ça. Si j'arrive à le prendre sur ma tête. Il est sur ma tête? Voilà. Donc une fois que vous l'avez sur la tête, que ce soit en game mode ou en survie, je vais monter sur la plateforme pour vous le montrer. Hop, voilà. Bah mettre en survie comme ça. Comme ça on verra si tu t'écrases comme une merde. Voilà, vous sautez avec le zozo sur la tête et vous planez. C'est très sympa. C'est planant. Oh, fallait bien une petite référence Non, débile. non, 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 celle-là, non. monsieur, c'était drôle. Reviens là, reviens. Voilà, et Ça, donc tu vous vas. pouvez planer. Alors j'ai essayé en sautant de cette plateforme-là, je suis allé derrière notre box pour le portail du Nether, qui est là-bas. Je suis allé bien derrière. Je me suis posé en pleine nuit. Bon, j'étais en game mode encore heureux, mais en pleine nuit au milieu de loups-garous et autres, j'étais très content. Tu m'étonnes. Voilà, bon, bien sûr, vous pouvez l'enlever de votre tête en faisant clic droit, même quand vous êtes en l'air. Donc, si vous êtes en survie. Voilà, je l'ai fait assez proche du sol là, mais sinon, bah, vous cassez une jambe. C'est dommage. Et donc ça marche pas avec tous les oiseaux, en tout cas tous ceux qu'on a là nous, Apprivoiser, hein, bien sûr. apprivoisés. On reviendra, je pense, sur une petite vidéo un peu plus explicative sur comment on apprivoise les oiseaux. Ça ira avec les dindons et ce genre de trucs, hein, voilà. Ne vous inquiétez pas, c'était juste pour le fun, comme on l'a là juste devant. Et le temps que, comme ça, moi, je tue le plus gros des chevaux qui nous embêtent. Voilà, parce que ça devenait un peu. Reviens là! Ouf! C'est dur, hein, c'est violent, hein, mon créature, faut être en pleine forme. Hein. Donc, comme il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'air d'avoir compris le principe du tableau. Du tableau Ah, récapitulatif du pour tableau. les chevaux. Oui. Pour les chevaux. Donc,
Je sais pas si on fait pas une petite. Moi j'aurais bien fait une petite ellipse le temps que je leur prépare un petit tableau en cube et que je leur explique le fonctionnement basique. Bah oui, on n'a qu'à Voilà. faire ça. On n'a qu'à faire ça. Donc parce que je suis en train de me dire là ça va être un petit peu pas concret du tout si je leur redonne le truc. Donc on va faire une petite pause. Je monte une espèce de petit mur avec tableau pour vous expliquer ça. À Voilà. tout de À suite. tout de suite. Re. Re, la magie est apparue, un grand tableau. Voilà, donc on va dire que ce tableau-là, c'est le tableau que je vous ai mis en téléchargement sur ImageCheck de la reproduction des chevaux. Donc en haut, vous avez une première ligne. Là, ensuite, vous avez la colonne. Et au milieu, il y a tout ce qui est enfant et autres. Donc par exemple, on va prendre donc laine de niveau 1 qui a la robe blanche et encre de niveau 1 qui a la robe noire. Donc montre-leur leur. Encre ici et laine là. Et ça va donner, au bout de 10 minutes après reproduction, ça va donner tache, une robe pommelée gris. Oui. Donc ceci. De niveau 2. Ensuite, vous prenez tache, donc vous le trouvez sur la ligne ou la colonne. Donc nous on l'a mis ici, mais en fait il faudra regarder sur le haut dans le tableau. Vous prenez tâche, vous le faites reproduire avec une robe blanche. Donc nous on a repris laine, mais si vous faites la généalogie, vous évitez que ce soit sa mère quand même. Et ça vous donnera un niveau 3, pirouette, robe tachée gris, donc pirouette qui est ici. Juste à côté. Voilà. Et ensuite vous cherchez pirouette dans le tableau, donc niveau 3, pirouette, robe tachée gris. Avec encre, donc robe noire, et ça vous donnera un niveau 4, ça vous donnera Dalmatien, donc Dalmatien qui est en reproduction, mais qui ressemble à un Dalmatien, donc robe tachetée noire. Et vous faites ça pour tous les chevaux que vous avez à chaque fois. Vous cherchez par exemple, donc nous, notre macaron dans votre liste, et ensuite vous regardez avec Cheval. avec quel cheval il peut à nouveau se reproduire pour obtenir un bébé. Et vous faites comme ça pour obtenir le niveau 4, qui est bien le cheval le plus puissant pour obtenir ensuite les zèbres. Donc techniquement, on peut dire, grosso merdo, que vous faites reproduire donc le niveau au-dessus avec toujours un blanc ou un noir. Là, pour obtenir Dalmatien, ouais, c'est assez simple, ça vous prendra même pas ça vous prendra une grosse demi-heure. Ouais, voilà. Après, pour Mizuki, je crois qu'il fallait faire un truc un peu plus. Il y a après, de toute façon, une fois que vous aurez commencé à faire des essais, hein, c'est pas difficile. J'ai envie de dire, après, il faut juste bidouiller. Vous faites, tiens, si je mets celui-ci avec celui-ci, donc toujours un niveau supérieur avec un niveau inférieur, enfin un niveau 1, quoi. Donc. Voilà, mais ça ne marche que d'une certaine façon. Par exemple, pirouette, on ne peut le reproduire qu'avec deux chevaux de niveau 1. Oui. Et pas les trois autres, parce qu'il existe cinq chevaux de niveau 1 quand même. Donc il Ouais, mais faut dans les vraiment bien regarder le 14 tableau. chevaux de base, déjà avant d'arriver au niveau 4, comme Mizuki ou Dalmatien, donc les façons Kou, faites des mélanges avec les autres et voyez ce que ça donne de toute façon. Hein. Parce que si on regarde bien Crème, par exemple, ici, notre jument, il me semble que c'est aussi un mélange en particulier. Donc, et C'est un elle. niveau 2 ce crème, je Oui, crois. mais c'est un. Bah oui, mais c'est aussi un mélange particulier. Ouais. Donc voilà. Donc faites des essais, regardez ce que ça donne. Tiens, celui-ci je l'ai déjà. Tiens, celui-ci je l'ai pas. Bon, bah voilà. Vous en aurez obtenu un. Et puis nous on vous donne que des aides. On va pas vous mâcher le travail en vous disant, bah voilà, on va pas faire une vidéo de 2 heures et demie pour vous montrer des chevaux qui se reproduisent. Parce que ça n'a aucun intérêt. Amusez-vous aussi de votre côté à faire des bidouillages, à essayer. Faites des savants fous. Devenez des reproducteurs de chevaux. Et Pardon. également pour un le sujet au sujet du dernier cheval spécial,
Le cheval fantôme, un des viewers a eu la gentillesse de nous envoyer des screens. Louflo42, merci à toi. On Voilà, n'avait pas vu. Louflo42, donc on va. Je les intégrerai sur la vidéo et cette fois j'oublierai pas. Parce que c'est vrai que pour l'autre vidéo, j'ai complètement oublié d'intégrer le tableau. J'étais crevé et voilà. Merde. Mais je vous réintégrerai le tableau quand même également. Tiens, arrête de remuer dans tous les sens et fixe généreusement ce beau mur blanc. Comme ça, tu auras une belle base pour faire un joli screen dessus. Voilà, je me mets Voilà. comme ça. Et t'arrêtes de bouger. Tu respires plus. Va être un peu dur. Déjà qu'on respire mal. Donc voilà. Donc bon, alors petite piqûre de rappel, mais ça fera pas de mal. On rappelle que bon, les chevaux de base, vous pouvez les reproduire autant que vous voulez, mélanger, etc. Parfait. N'oubliez pas pour cela d'activer l'option dans les options du mode Easy Horse Breed. Sinon, vous aurez un cheval stérile à chaque fois, à la fin de la reproduction. Et donc, on rappelle aussi que pour faire reproduire les licornes, c'est de l'essence de lumière. Hein. Essayez pas les citrouilles, etc. Ça ne fonctionne pas. Donc, essence de lumière. Les pégases, ça sert à rien de les faire reproduire, ça ne fonctionne pas. Puisqu'il faut les obtenir après transformation du zonki, donc avec l'essence de darkness, etc. On va pas tout refaire, mais voilà. Donc ceux-là, ils sont stériles. Pour les chevaux fées, on rappelle que pour les colorer, il faut leur donner du colorant. Ça semble presque logique, bêtement, mais encore des questions là-dessus. Donc c'est colorant vert clair, il me semble, c'est ça? C'est le vert clair? C'est le vert clair, c'est pas le vert de cactus, faut prendre le vert clair. Le vert Le clair. vert de cactus, peut-être qu'il est dans la 4.5.1, Mais on l'a pas encore, quand on donc finira vraiment tout ce qui est reproduction et tout, on passera sur la prochaine version pour bien montrer les nouvelles couleurs de chevaux fées, ce genre de choses. Parce que voilà. même si on l'a expliqué dans Craft troisième partie, c'est mieux de le montrer et on fera ça donc une fois qu'on aura vraiment fini sur les autruches et tout le reste. Voilà. Donc vert clair, bleu clair. Bleu et le bleu c'est le bleu de base Ah, d'accord, bleu de et base. le rose. Bah le rose c'est le rose, hein. Donc voilà. Je crois que j'ai rien oublié. On a montré avec le zèbre. On leur a expliqué donc. Oui aussi parce que je sais pas. Quand j'ai fait zombie, quand on a fait la licorne là, Ouais. elle était à l'intérieur des box et ça l'a fait quand même. Donc Quand même. Donc peut-être donc visiblement il oui. y a eu ça qui a été modifié, c'est que même à l'intérieur des bâtiments maintenant ça fonctionne. Bah ça fonctionnait mais on avait vu que ça allait très très lentement Oh, mais ça fonctionnait. visiblement il a changé le temps de modification pour les chevaux squelettes et du coup ça va très très vite maintenant la décomposition et autres. Et vous pouvez par exemple si vous voulez pas le bah si vous voulez le garder en tant que zombie zombie en tant que cheval mort-vivant vert vous pouvez à chaque fois une fois que la transformation a été commencée vous pouvez à chaque fois lui donner une potion de lumière. Ça va le stabiliser au premier niveau du mort-vivant mais il va continuer à se décomposer au fur et à mesure. Il faudra juste en fait lui en redonner régulièrement pour éviter qu'il se décompose totalement. Si vous voulez finir vraiment avec un cheval zombie. Bon, bien sûr, ça prend du temps et tout, mais si vous voulez un cheval vert. Techniquement, zombie, j'étais censé avoir. Oui, mais tu lui en as donné qu'une seule et après tu l'as laissé comme ça. Et après on a papoté et donc il Non, s'est mais je veux dire, transformé. Green, je voulais garder le cheval zombie, pas squelette. Et j'ai pas réussi en fait. Il s'est Je viens décomposé. de te dire qu'il fallait lui en donner en fait à chaque fois. La décomposition Ouais, mais continue. maintenant ça va tellement vite que tu te retournes, tu vas faire ta serre, tu reviens, paf! Ça va pas à cette vitesse-là non Non, bon, plus, peut-être pas hein. non plus, mais Ça a quand même enfin. pris, je dirais, une bonne heure hein, pour. Oui, ça a pris 1 heure, mais enfin voilà, t'es pas forcément obligé. Genre, tu vas en mine, tu reviens, c'est fini quoi. C'est Non mais chiant.
Je dis ça pour ceux qui en voudraient. Ah oui, oui, bah oui, mais après, même tu après, voudrais. c'est très dur, c'est très long, il faudra vous en occuper tout le temps. Eh, s'ils veulent, ils veulent, hein. Ah non, mais je dis pas le contraire. Oui, donc ça c'est. Non, alors que sur les versions précédentes, il suffisait juste de donner une essence de lumière et c'était bloqué, quoi. Ouais, ou alors, dans ceci dit, on n'avait peut-être pas attendu assez longtemps, vu que le temps il était très long. Peut-être, du coup, vu que c'était doublement plus j'ai long. Une question. Ah non, c'est elle est cuisse. Ouais, d'accord, elle est cuisse. Elle est cuisse, sérieusement. Ben écoute, j'avais poulet rôti aussi. Hein, je trouvais que c'était parfait pour la bouffe. Ouais, voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on vous montrera tout ce qui est reproduction des autruches, élevage et également leur nouvelle transformation très spéciale en créatures diverses et variées. Bah, leur montre pas tout de suite. Bah, je leur avais déjà montré à la fin d'une des vidéos. Donc, ah moins, bon. Bah, et d'ailleurs, pourquoi il y en a que deux là? Il en manque pas un hein, là. Deux, quoi? Et ils sont où les autres? Ah, ils sont là. De l'autre côté. Plume. Voilà, et oui, et pour correction, celle-ci donc est bien une autruche. Ah non, tu les as toutes les deux transformées en wyvern? Il n'y en avait pas une qui avait pas de queue? Mais non. Non? Non. Non. Non, les deux wyvern, non, non, il n'y a pas, ils font pas de queue. Puisque pour la wyvern, il faut que tu le transformes d'abord en machin et ensuite en bidule. Donc mais ils ont pas une transformation juste en darkness? Non. D'accord, donc non, non, c'était pas une erreur, mais pourtant dans l'autre vidéo, j'étais sûr que l'une des deux avait pas de queue, mais bon. Elle était peut-être collée à un mur et t'as pas vu, non, mais ouais, peut-être. Donc, bref, donc il en existe plusieurs sortes différentes. Vous vous doutez, je suppose, vu les couleurs, quelle essence il faudra utiliser. Genre elle, voilà. Le poulet rôti, là, c'est... Désolé, on meurt. Poulet rôti. Ben voilà, c'est poulet rôti. Bon, on va enchaîner nous directement, donc vous l'aurez pas tout de suite, mais vous l'aurez un tout petit peu après. Et donc, bah, pour ceux qui veulent tout savoir sur les autruches, à la prochaine vidéo. Voilà, à la prochaine. À la prochaine.